en train de préparer un système pour faire une ventilation forcée derrière le poêle à bois. En fait, je vais faire un petit coffrage en aluminium. Ça, c'est des portières que j'avais fait faire, ça, il y a super longtemps, pour un 4x4. Parce que je faisais du 4x4. J'ai cassé le 4x4 avant de pouvoir monter les plaques d'alu. Du coup, je les ai toujours gardées, là, je vais les récupérer. On fait avec un minimum de sous, on essaie de se débrouiller. Et donc, je vais faire un petit coffrage. Parle plus fort. Je vais faire un petit coffrage. Ça va se présenter comme ça, derrière le poêle. Et à l'intérieur, il y aura le ventilateur qui va pousser l'air chaud avec une gaine dans la cabine. J'ai récupéré le ventilateur Truma qui avait derrière le poêle, derrière le chauffage gaz, parce qu'en fait, on ne s'en sert pas du tout du ventilateur. Donc je vais essayer de faire ça et on va voir ce que ça donne. Il en reste encore un à découper. Voilà ce que ça va donner. Sur les côtés, vous avez les petites plaques d'alu que j'ai mis en fait. Il y aura une plaque d'alu qui va être découpée pile poil à la bonne mesure. Comme ça, ça va faire, mais ça va faire un genre de petit coffrage en fait. J'ai laissé exprès une petite lame d'air sur le côté pour laisser passer l'air qui est dans la partie habitable. Elle va venir s'engouffrer après quand le ventilateur sera allumé, elle va venir s'engouffrer à l'intérieur. Et comme normalement à l'intérieur ça sera de l'air chaud, le ventilateur lui il est là. Il va être comme ça en dessous. Il n'y en aura qu'un, je vais mettre qu'une seule entrée. Donc voilà, ça va sortir sur le côté par là, ça va aller en dessous et ça va aller dans la cabine en fait. Donc normalement ça devrait cracher de l'air chaud. Comme souvent quand j'essaie un truc, j'ai aucune certitude que ça fonctionne. Donc voilà, ça va donner ça. Il reste juste à trouver un moyen pour fixer le ventilateur là, pour qu'il ne soit pas collé au poêle et qu'il ne soit pas non plus posé par terre, donc avec des petites pattes d'accroche. Et ensuite, il ne sera plus qu'à faire le dessus. Alors voilà, j'ai fini le support pour tenir le ventilateur. C'est pas tout à fait fini. Vous voyez comment ça se présente? Là, vous avez la ventilation. Okay. J'ai fait un petit support, puis j'ai plus qu'à le visser derrière le poêle, ce qui fait que je peux l'avancer ou le reculer en bas. Merde. Donc ça, c'est le ventilateur du Truma, on est bien d'accord. Hein. J'ai un boîtier de commande et ça se branche sur le 220. Il va falloir peut-être que je rallonge la prise, mais ça, c'est pas bien grave. Donc je vais boucher cette ventilation ici. Non, celle-là, je la garde. Mais en fin de compte, c'est celle-là que je vais boucher et tout l'air sortira par ici. Comme ça, j'aurai plus de puissance et ça ira jusque dans la cabine. Je peux, si je veux, le reculer ou l'avancer du poêle pour avoir plus ou moins d'air chaud. Si ça chauffe de trop, il faudra que je le recule un peu. Je le visse avec deux vis jusque dans le plancher, comme ça, ça bouge plus. Donc lui, il va venir trouver sa place derrière le poêle. Bon, et bien voilà, ça se termine tout doucement, je vous montre ça. Alors, j'ai fixé le ventilateur. J'ai fait une petite pâte en aluminium, comme vous avez vu tout à l'heure. Là, le ventilateur est fixé, en fait. Vous voyez, ça donne ça. Bon, j'ai mis une prise comme ça, juste pour voir en attendant, voir si tout fonctionnait bien. Ensuite, il faudra que je mette une petite prise par terre. Et j'ai mis ça vraiment à l'arrache, le boîtier de commande. C'est parce que j'avais pas envie de faire de trous si ça fonctionne pas. Donc ça va rester comme ça un hiver, je pense. Et si vraiment ce système là fonctionne bien, je l'encastrerai et ça fera vraiment propre quoi. Donc pour l'instant j'avais pas envie de faire un gros trou à la cycloche si ça fonctionne pas. Donc alors ça va venir, vous voyez, le ventilateur est collé quasiment au poêle, là où il y a en plus une petite grille en fonte pour la chaleur en fait. Donc ça fait un peu comme le chauffage au gaz. Le plastique ici je vais l'isoler avec un isolant haute température pour éviter qu'il fonde, on sait jamais, même s'il est prévu pour la chaleur. Mais bon, c'est pas la même chaleur, c'est sûr, que le chauffage au gaz. Donc ensuite, j'ai ma gaine qui va partir là-bas. Qui sera... ça va être un petit problème, en fait, parce que... Comment dire... je vais être obligé de lui faire un petit coffrage, et la table, elle va plus se coller au mur quand on va rouler. Donc bon, c'est pas grave, on trouvera une solution avec des cales ou je ne sais quoi. Mais bon, si c'est pour qu'on soit tranquille au niveau de la condensation dans la cabine, moi, je préfère prendre... je préfère avoir ce petit inconvénient, c'est pas grave. J'aimerais bien, j'ai pensé à un truc, si j'arrive à faire ça, ça va être vraiment top. Je vais faire longer la gaine le long de ma cabine en bas, ça va passer derrière la pédale d'accélérateur, la colonne de direction. Et là j'ai une bouche ronde, vous savez, pour venir réchauffer les pieds quand on roule, avec le chauffage de route, du moteur. Et je me suis dit, si jamais j'arrive à raccorder ma gaine de Truma à cet embout-là, et que je ferme mon clapet, vous savez, pour la ventilation, pour que l'air de dehors ne rentre plus dans le bus.
Vous savez, on peut fermer ça, j'ai une tirette. Donc je pense que si je la ferme et que j'envoie de l'air au niveau des pieds avec un embout assez hermétique, bah, je pense que ça va me recracher l'air directement dans le désembuage d'origine au niveau du tableau de bord, dans le désembuage du bus. Je sais pas si vous me suivez bien, je sais pas si je suis bien clair. Voilà, si j'arrive à faire ça, en tout cas c'est top. Ce qui veut dire quoi ? Si j'arrive à faire ça, c'est-à-dire qu'il faut que je tire ma tirette quand j'arrive et qu'on se gare, quand on allumera le poêle à bois. Une fois que c'est chaud, j'allume le truma, la ventilation. Et là, j'aurai un désembuage qui viendra se faire sur tout le pare-brise et qui viendra me sécher toute la cabine. Donc si j'arrive vraiment à faire ça, je serai vraiment content, ça sera top. Voilà ce que ça donne en fonctionnement. Donc en fait, j'allume ici. Et puis après, je peux régler. Là, je vais mettre, admettons, à 3. Oui. Je peux vous dire que ça souffle pas mal. Hein. Vous voyez ? Donc, si ça fonctionne, je peux vous dire que ça va être super chouette. Bon, comme vous avez pu le voir, Jérémy l'a tout installé. Donc là, il est venu me chercher pour faire quelques tests. Donc, c'est parti. Doucement. Non, ça, c'est pour régler l'eau chaude. C'est l'autre, alors. Doucement, hein. Oh, putain. J'ai l'impression que c'est fermé là, que tirer ou que pousser là. Je suis tiré. Là, je vais pousser là. Vas-y. Ça, il est dur. Là, je suis poussé. En fait, le volet, il se ferme. Et mon aération est juste en dessous. Ça va pas alors ? Tube. Je pense pas que ça va aller. Est-ce que ça sort au désembuage ? Non. Tu sens bien un filet d'air, mais c'est très 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 peu. Ouais. Ça suffira pas, je pense. Je débranche ici. Et ça, tu peux pas le faire. Ouais, ça souffle. Ah hein. Ouais, putain. Tu peux pas le laisser là, celui-là ? Bah, au pire, c'est ce que je ferais. Hein. Ah ouais ? Tu le longes là, le long du rideau, comme ça ? Regarde, on peut faire un test là. Je le longe le long de la fenêtre et en fait, il viendra faire un courant d'air sur le. Ah ouais ? Puis au moins, j'ai pas besoin de m'embêter à le mettre ici. Passe-le derrière le rideau, sinon. Ce sera peut-être moins chiant. Non, mais là, c'est pas et puis essayer. Je peux même me permettre, et ben dans ce cas-là je fais ça, et je peux même me permettre de mettre des bouches ici aussi, sur les côtés. Voilà. Et puis parce que là ça vient. Ouais, je peux le laisser comme ça. Tu sais, genre comme ça, et puis tu sais, le long là. Ça peut parce se faire. Parce que là ouais. Ça souffle, là ça sort. Là hein, ça sort. Bah. Attention, fermez vos oreilles. Quelle idée, on a eu de vivre dans un bus, mais quelle idée! Vous pouvez pas vivre dans une maison comme tout le monde, non? Par contre, si t'appuies trop fort, ça va casser ton tasseau, je pense, par terre. Ah. Je dis ça, je dis rien. Ça risquerait de le casser. Tu sais ce que je dis d'habitude aux gens qui disent je dis ça, je dis rien? Ouais, je sais. Ferme ta. Ça serait bien que j'arrive à l'enlever, je pense. C'est un petit truc qui me stresse, le chauffage pour cet hiver, bah pour ouais, notre grand voyage. Bien. Je sais bien. Donc j'ai vraiment envie que ça fonctionne et j'ai pas envie de me prendre la tête en plein hiver avec un chauffage qui fonctionne mal, quoi. Donc voilà. Tu vas t'en sortir ou pas ? Finir comme ça, là. Ça va m'énerver. Tu veux pas tenir le tasseau en dessous, là ?
tes conneries, qu'est-ce qu'il y a? Non, je rigole. Putain, t'as peur, t'es chiant. Non, mais là, ça me fait pas peur des choses comme ça. C'était peur, ouais. C'était marrant. En plus, bah non, du coup, j'ai sursauté, du coup, je crois que je t'ai pas filmé. Putain, t'es nul. Ça fait l'air que toi, là. Ça fait l'air que toi. C'était en plein dans l'œil, je me suis pris des chiens en plein dans l'œil. Ah, ça m'a fait mal. Voilà. Bon, ben voilà, c'est pas mal tout ça. La gueule va mettre la gueule comme ça. Hein. Aspirateur magique. Aspirateur magique. Ça pour ça, il est bien ce petit aspi, j'adore. Je pense que j'aurais pu, je me serais mariée avec. Plutôt qu'avec toi. Tu fais quoi d'apprendre ça? Ça me rend triste. Ça te rend triste? Mmh. Ouais, attends, il aspire quoi. Moi aussi j'aspire des fois. Ouais, mais lui il est au lithium. Ah ouais? Toi des fois t'es fatigué. Ouais, mais il va peut-être mourir avant moi. Non, c'est pas faux qu'il est pas aussi pour toi, Marc. Ouais. Il fait que aspirer, il fait pas tes beaux gâteaux. Tes jolis sourires, tes beaux yeux. Non, c'est peut-être un truc à me demander ça. Non, non, t'as raison, c'est qu'un aspirateur. Retire ce que j'ai dit. Ça se termine, donc ici, je sais pas si je vous l'ai montré tout à l'heure, j'ai fait une petite protection au placo pour éviter de cramer le plastique du ventilateur. Allez, dépêche-toi un peu là. Oh, ça va, hein. Ça se termine, petite amélioration au niveau du chauffage, enfin amélioration, c'est encore un test, on verra ça quand on sera en Laponie si ça fonctionne. Donc le tuyau il arrive ici, là je vais mettre encore deux petits colliers pour qu'il soit bien fixé, voilà, ça fait pas très esthétique. J'ai pas pu le passer en dessous, donc je suis obligé de faire ça. Et donc ça va diffuser de l'air chaud, comme ça, parce que vu qu'on a les rideaux qui descendent ici, ça va faire, une petite partie d'air en fait à l'intérieur. Et donc l'air va circuler comme ça, normalement, hein, si ça fonctionne bien. Et normalement, il ne devrait plus avoir de condensation sur les vitres. Ici, j'ai mis une petite bouche, voilà, que je peux régler pour désembuer ici le carrossier, là où il y avait de l'humidité. Et puis ben, il reste après là-bas, je sais pas comment faire, bon je pense que ça va rester comme ça pour l'instant. Voilà, j'espère que tout ça, ça va fonctionner. Toi aussi, t'espères que ça va fonctionner? Bon, il n'y a pas de raison, parce que ça pulse bien quand même. Ouais, ça pulse bien. T'as, d'ailleurs, je vais rester là, je vais aller allumer pour vérifier si tout fonctionne bien. J'ai mis à 4. Bah, t'as mis à 4, t'as vu comment ça pulse? Ça vient bien. Ça fait même boucher la bâche dehors. Alors, oh la vache, oh, tu fais me faire emporter. Non, franchement, là, si vraiment le matin on veut mettre un bon coup de désembuage ou quoi un peu. Et ici, est-ce que ça vient? Regarde, ça vient bien aussi là. Franchement, c'est cool. Bah, y a pas de raison. Et là, il y aura le rideau aussi, donc ça va forcément faire une circulation d'air. On va emprisonner entre le rideau et la paroi et la vitre en fait. Donc, si ça fonctionne comme ça, c'est bien. Et en plus, si jamais j'ai un souci, comme le moteur est là en Laponie, hop, je débranche ma gaine. Je la mets là-dedans et ça va balancer de l'air chaud sur le moteur, ça va réchauffer le moteur. Et si on veut se réchauffer, on peut se réchauffer aussi. Comme ça. Hein? Non? Ouais. Quand on verra bien. Voilà, enfin, il y a des... Je pense qu'il y a un truc à faire qui va être pas mal. Voilà. Donc au début, je voulais faire une petite bouche d'aération avec plein de petits trous, un peu comme dans une voiture, vous voyez. Et j'ai décidé de laisser ça comme ça, j'aurai un plus gros débit d'air et ça fera moins de bruit déjà. Et il y aura une plus grosse circulation d'air entre le rideau et la vitre. Donc je vais vraiment laisser ça comme ça, ouais. Cette vidéo se termine, vous avez vu ce qu'on a fait au niveau de la ventilation du poêle à bois. Je me répète, mais j'espère que ça va fonctionner, on verra bien. Rendez-vous en Laponie, enfin rendez-vous dès qu'il va faire froid pour essayer. Là, j'aurais bien allumé un feu pour essayer, voir... Ouais, non, tu vas déjà 30 degrés dans le poêle, dans le bus. Donc, après, le temps que ça se refroidit, ça se tombe. A bientôt, gros bisous à tous. Allez, bisous, ciao. Ciao. Les enfants veulent pas manger, ils sont pris dans un truc, là ils sont à fond dedans. Je vais aller vous montrer tout ça, vous allez voir. Ils sont vraiment, ils veulent pas manger, ils nous abandonnent en fait. Faites quoi là? Du camping? Ouais. Bon, même si on n'est pas en camping, hein, on sait. Mais Lucie, quand elle est sortie de la piscine, elle a dit, et si on ferait de la piscine? Et si on dormirait dehors? Ouais.
Ouais. Donc du coup, il était demandé à mamie si on pouvait prendre ses tentes. Et vous avez mis les tentes. Et on a mis les tentes. Okay. Et regardez, on a tout mis. On a tu nous fais une visite guidée. Ok. Sauf que Julien ne peut pas dormir dans sa tente. Donc, non, du mais coup, c'est normal. Non, non, vas-y, je te filme. Voilà. Alors là, nous avons notre clibotis. Oui. Avec nos affaires. Donc là, nos serviettes, nos shirts. Nos shirts, t-shirts. Nos paires de chaussettes pour demain. Nos paires de chaussettes. Ouais. Là, il y a nos caleçons, nos slips. Ok, et l'intérieur, tu me fais voir. Alors, on a nos sacs de couchage. Ok. Donc là, j'ai mis mon enceinte, un livre. Petite musique, il y a de l'ambiance ici. Hein. Un livre. Ça pète. Hein. Un livre. Ouais, pour lire, petite lecture du soir, ton ukulélé pour faire un petit peu de musique. Mon ukulélé, et puis... Un petit nounours. Et puis Léon. Ok. Coucou, merci. Bon, bah, impeccable. Je sais pas pourquoi. Et allumette, il y a même son panier. Mais là, je vous sens trop motivé et je sais pas pourquoi. Quand il va faire noir, je sens que vous allez rentrer dans le bus. Surtout toi. Je vous connais comme si je vous avais fait. Bon, voilà. C'est notre ils ont aussi leur petit fil à linge sur le porte-vélo. Voilà. Donc ils mettent leur petit linge à sécher. Bon, allez, voilà. Allez, au revoir, on vous laisse. Bonne soirée, à bientôt. À bientôt. Bonjour à tous. Il est 7h20 du matin. Et je voulais vous montrer ça. Les petits sont encore en train de dormir dans la tente. Vous allez voir, normalement, il y a le chien d'attaque qui va aboyer dès que j'arrive parce qu'elle est dans la tente avec eux. On y va. Sorti de la nuit. Regardez ça. Lucie, Julia, Théo qui est derrière. Et le petit chien de garde. Je pensais vraiment pas qu'ils allaient rester là. Toute la nuit. Ils m'ont vraiment surpris. Même la petite et tout, elle était avec son frangin et sa frangine, vachement fort et tout. On avait déjà essayé une fois l'année dernière, ils avaient eu peur. Ah, ils étaient revenus assez vite et là, ils ont dormi dedans et tout. Hein. Franchement, chouette. Et cette nuit, l'humette, elle n'a pas arrêté d'aboyer. Enfin, elle n'a pas arrêté d'aboyer. Il devait y avoir une bestiole ou un truc comme ça. Du coup, je suis sorti, il devait être 3h du matin pour voir si les choupeaux, s'il se passait quelque chose. Enfin, j'ai entendu des bruits, elle aboyait vers 2h. Je suis sorti vers 3h. Temps de... Il aurait pu se passer quelque chose de grave. J'ai été un peu long à la détente. Donc je suis sorti vers 3h et elle est sortie. Wouah ! Vraiment, elle est comme ça dans la tente. Puis elle est au taquet. C'est vraiment un petit chien de... petit chien de garde. Et elle aime vraiment Théo, Lucie, Julia, enfin elle nous aime tous, mais vraiment les petits, elle les surprotège. C'est dingue hein, pour un petit chien qui fait 2,4 kg. Vraiment un instinct de garde, c'est excellent. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Allez, bisous à tous. Bon ben voilà, les petits sont levés. Alors, ça s'est passé comment ? Votre première nuit dans une tente ? Vous êtes couché super tard, je vous ai entendu faire le foin jusqu'à au moins minuit. Ouais, mais c'est pas notre première nuit dans une tente, hein. Bah si, c'est la vraiment première nuit, parce que la dernière fois, vous étiez rentré dans le bus. Avec la grosse tente de camping la dernière fois. Ah ouais, mais ça c'était quand on allait en vacances en tente. Et alors, vous avez fait quoi de beau hier? On a écouté de la musique. Ouais. On a été demandé à papa gentiment si on pouvait jouer à la tablette, il a dit oui. Ouais. Et du coloriage. Michel a une petite histoire. Ouais. Julia. Et Julia énorme, parce qu'elle était trop chiante. Ouais, j'ai entendu, elle arrêtait pas de vous embêter. C'était bien, Julia, la tante? Hein? C'était cool? Et Allumette, vous avez vu comment elle aboyait à 2h du matin? Ah non, elle est sortie dehors, elle arrêtait pas d'aboyer. Je suis venu voir et tout, et puis en fait, il y avait rien. C'est sûrement une petite bestiole ou quoi. En tout cas, elle montait bien la garde.
Hein? T'as vu ça, toi, comment elle était? Attends, elle mettait dans son panier, deux, il rentrait, comme ouais, ça. Ouais, un vrai petit chien de garde, hein. Pris possession des lieux, la tante, et puis... elle a vraiment pris soin de vous, elle vous a surveillé. C'est vraiment un bon petit chien. Parce que là, on n'a pas de trousseau de clé pour fermer un la bon porte. Petit chien de garde, hein?